nous venons tomber dans Ariel Henry qui pas légitime, qui pas légal dans rien. C'est à travers un tweet que Kogout la te mette là. Mais Ariel Arangel, il fait plus que 2 ans et demi dans tel pays. Malgré que en pile critique qui t'a fait contre Ariel Henry, et ouais, je dis, hein, Ariel vient empêcher que le PAC a rentré dans le pays. Hein. Malgré ça, ouais que, et moun qui te mette fait travail pour l'IO, par exemple, les États-Unis, le Canada, la France, Kogou, Binu, ensemble de entités ça yo, yo te mette Ariel Henry travail pour yo, et bien yo dis, Ariel Henry travail au fin fait bonheur, nous pas besoin encore, nous pas utilisons encore. Yo vini avec un ensemble d'acteurs, un ensemble d'acteurs politiques. Yo parle de questions protagonistes, rendu nos solutions à la haïtienne, question consensus, un ensemble de détails, un ensemble de paroles, Moutek Jamaïque, descend Jamaïque, venez en Haïti, on n'est pas jamais tombé comme entente. Et puis, ou pas jeune que, il est Ariel empêché par Nek Arméo, mais ou pas jeune que CARICOM, prêt à le retourner avec, même ensemble acteur ça yo, pour mettre Campé Sanrile au conseil présidentiel sous base consensus. Mais pas oublier, pour que conseil ça établi et installé, il a besoin d'approbation gouvernement démissionnaire qui là. En tout cas, bagaille compliqué. Nous allons regarder ça avec Zaméter notre nouveau. Desi Menes, comment est-ce que frère, puisque habituellement, nous toujours chargés coula pour l'heure et depuis le faire de ça, nous venons servir auditeurs Zaméter notre nouveau qui ne peuvent jamais pas connecter et qui ne peuvent jamais pas suivre ensemble de émissions nous. Desi, comment est-ce que frère? C'est un plaisir partagé, moi content à coup. Et une autre fois, vous présenter l'émission avec les amis internautes qui tout partout, cap gardé, cap tendé. T'as coup, j'en dis, la situation dans le pays d'Haïti, il a toujours été très compliqué sur le plan politique. Ensemble, citoyens, ils continuent à poser cette question. Est-ce que l'installation conseil ou bien collège présidentiel à la privée fait tout bon vœu dans le pays d'Haïti, les mounions imaginer ensemble disposition qui gagne là? Et ensemble, opposition qui gagnait l'expression. Les imaginer kidnapping, parce que ce n'est pas une fête en dedans pays. D'un coup, journal New York Post, confirmé, yo bay 40 000 $ pour un YouTuber qui est venu en Haïti, qui est venu chercher interview, non mais barbecue, yo kidnapping. Yo mandé $600 000 américains pour libération. Cependant, nous toujours gagnons des journalistes étrangers qui a venu dans le pays pour venir faire interview avec Genève en famille et alliés, et spécialement Jimmy Cherizier. Blaise Peterson, monsieur, dame, qui non tire ce gouvernement qui l'a, yo déclaré, tant que yo se dit, pas de provision légale pour installation collège présidentiel là. Et CARICOM aller dans le plus haut niveau pour montrer que c'est Ariel Henry qui doit faire passer son pouvoir avec conseil présidentiel là. Est-ce que Aïssé Kap comprend tout bon vrai? Dans le moment qu'on a parlé là, c'est jouet Rale Menevini, jouet Malin, Kap joué pour question installation, conseil ici là, qui peut paraître clair. Dit tout, l'explication. C'est presque chaque jour, bagay ou apparaît pinois en dedans pays là, qui permet que doute yo a plongé pendant ensemble activité yo dans niveau capital là, continuer à plonger presque chaque jour, citoyen yo, pas vraiment ouais l'espoir, pas vraiment ouais côté la vie fait point. Policier, Ananel Alexandre, qui affecté dans Sebim, Blaise Peterson, eh bien, population qui n'a mis balai, Bay Michel Boakale, il était accompagné avec Miska, qui c'est Michel Miska, qui c'est un agent de sécurité dans le conseil électoral provisoire. Eh bien, il a joué 6 300 000 goudes avec $2 000 américains sur yo, comme il a acheté ZAM à Katouche sous frontière Belade ou gang en dedans pays. Et yo joine sur tout environ 5 téléphones à 29 mm à plus passé yon caisse cartouche qui gagne 50 gang cartouche là-dedans qui te rempli. Est-ce que je dis en blessure situation une question insécurité qui gagne en dedans pays? Zami internet, vous pouvez comprendre? Les on policier qui dans ce bim qui en fonction qui prend mal et plaisir pour aller acheter cartouche pour bandi, pour aller acheter ZAM pour bandi, n'a qu'à décrire dans quelle situation que le pays a pratiquement trouvé. Ariel Henry, sur Ekendine, CARICOM écrit Ariel Henry pour demander pour prendre toute disposition pour nommer 9 membres du conseil présidentiel. Est-ce qu'il pourra lui faire tout le monde vivre les personnes? Personne ne connaît. Est-ce que Ariel Henry a une opportunité pour vivre pas sans ce pouvoir tant que CARICOM demande là? Tout le monde a veillé. Et l'opposition toujours campée sur deux pieds fermes. Il y a des questions. Ariel Henry, Abvin là, pas que bagaille comme ça du tout. Nèg qui a sa mio, yo pren position Blaise Peterson, yo dit Ariel Henry pari doit mettre point de pied dans le pays. Même ça avec plusieurs autres secteurs qui dit non, que sur conseil présidentiel, collège présidentiel, comme non, li pas de place là. C'est soit y a le coup de cassation,
ou bien yo d'accord avec pouvoir de consensus proposition que réveil national te proposé avec conseil présidentiel actuellement qui gagne Philippe Ladenan les Peterson. Ensemble pour ça avec divers lot nous va laisser regarder dans quatre émission ça et pour matin espérer que amis internautes rete branchés pendant nous va faire salutation les Peterson par contre sur l'autre point. Et n'a seulement ajouté m'a oublier ça parce que nous va parler de presse dans émission jeudi à Desivenes m'a seulement dit que selon ça qui t'a dit mais pas oublier que conseil présidentiel transition carré comme ça t'a droit et prêter serment le 3 avril dans la cour de cassation bon jusqu'à présent bah, la tour est qu'il brûle dans mais là et à côté de prêter serment prestation serment yo le 3 avril dans la cour de cassation mais le 4 avril dans le lendemain, yo t'a de faire s'en aller investitio dans un palais national. Qui palais national m'pa konnen? Et qui coup de cassation tout m'pa konnen? Mais sauf que c'est ça qui dit et bon côté de information qui a circulé que conseil présidentiel ça t'a droit installé le t'a de prêter serment le 3 avril qui donc soit mardi mercredi si m'pa trompé et dans coup de cassation ça veut dire un ensemble de juges qui l'a donné qui régulièrement nommé qui plus ou moins que s'en aller on dit calé et qu'on a qui va l'accepter que pour autorisation permettre que ensemble de monde qui n'a pas aucun côté ni légalité ni légitimité ce monde va nommer il va ben monde ça approbation yo il va ben monde ça aval yo pour monde ça qu'on a diriger pays qui bon alors que c'est même classe politique ça c'est même acteur ça yo qui mettait paysan dans ça les jeunes jeudi parce que l'éclair pas que aucun monde m'a regardé là qui pas peut-être soit qui était dans le gouvernement avec Jovenel Moïse ou dit moi qui était dans le gouvernement avec Ematelli ou dit moi qui était dans Préval qui était dans Aristide ou comprendre qui était dans Ariel là c'est même eux même qui peut retourner là regarder ensemble de monde ça oui pas que différence non c'est des anciens députés des anciens gouvernements centrales des anciennes directrices des anciens conseillers et KEP c'est des anciens juges comme si pour montrer comme si que son véritable tchaka calamique comme si qui mélange là ou pensez comme si il va venir pour bagarre là pour payer en tout cas mais ici après des nous mais je que moi désir venir aujourd'hui là des pays ça c'est dans même nous que lié ou même qui en Haïti et ou même qui à l'étranger qui conséquent et qui dit que ou bien l'autre chose pour Haïti ensemble pour mettre nous capable retirer Haïti dans ça là parce que c'est pas ni américain ni canadien ni même français qui venir retirer Haïti dans ça là qu'on est là jeudi jeudi. Des Ibenes, je ne dis, on regarde avec quelques amis pour nous capables de saluer. On regarde un monde comme Patrick Jérôme, que nous saluons des Ibenes. En même temps, il y a Robert Nocil, nous saluons en bas, nous des Ibenes. Il y a Jean Ducrépin, que nous saluons. En même temps, il y a Charles Frandi, nous saluons. Il y a Angelica Providence, que nous saluons des Ibenes. Il y a Jean Rodney Kazi, que nous saluons. Il y a Pierre-Tive Laplante, que nous saluons, Mimos Jean-Charles, sans oublier tout Junior Pierre, mettez sous exactement Jean-René Lully, que nous saluons, Guédinor Delcine, nous saluons des Ibenes, Guévic Petit, nous saluons, mettez sous Olyssa Désir, Marie-Jasmin, Marie-Zana Xavier, Marie-Nosifor, Immaculée Lafleur, Elinor TV, Fondation Chris Capable, c'est parmi moun que nous saluons, Dumasé Alexis, mais Dumas Alexis, ça va dépendre de Jacques lui-même, les prononcer bon la Kaeli, Marie-Paul, nous saluons, et ça ne va pas oublier, et, Gemoun Tokou Fotnel Mathieu, nous saluons des Ivenes, Suzette Jean-Baptiste, nous saluons, et Xavier, alors, Marie-Zanne, on dit déjà, que nous saluons des Ivenes, Victor Salnave, nous saluons, c'est parmi moun, Gary Raymond, nous saluons, et des Ivenes, monsieur, c'est un beaucoup de port, ou que des moun que, s'allier et puis avant que nous entrions dans le détail émission ça pour jeudi à des Ivenes. Très bien, et Blaise Peterson et amis internautes, nous saluer Oni Dorès qui toujours branché, nous saluer Général Lebrun, les Bretons qui toujours branché tout, nous dire merci en pile, nous saluer Brice Cassamajor qui branché, nous dire merci en pile. Gladys Gaston, nous dit merci pour choix intelligent, nan gade et Blaise Info, point nouvelle, et Messac Nouvelle et Vente Calbas Info, nous dit et grand bonsoir avec Necker Desinor qui tout branché tout, nous dit merci, gen Merlin Chéri qui tout branché, nous dit bonsoir merci, gen Jackson Dorville qui tout branché, nous dit merci en pile, pour choix intelligent avec Blaise Info, point nouvelle, Vente Calbas Info et Messac Nouvelle. Gagné Silimon Joseph qui tout branché, nous disons merci en pile. Gagné Liberty qui branché nous tout, nous disons merci pour soi intelligent, merci pour commentaire que vous faites, vous quittez pour nous. On salue Jeffrey Robert qui toujours branché, nous dit merci. Guerrier
Genet et Brett nous disent merci en pile parce qu'il est toujours bien chez nous. Nous disons un grand merci parce que fait soir intelligent. Nous saluons Lionel à Lyon. Merci en pile pour soir intelligent avec mes sacs nouvelles pour faire la route avec nous à travers émission. Nous saluons Fivette Spierre qui est toujours bien. Nous disons merci en pile pour et participation. Nous saluons Gary et Montina qui est toujours bien. Nous disons merci parce que vous choisissez pour regarder, attendez pour être capable d'informer sur ce qui a passé en dedans pays. Et surtout dans ça qui est pour avec information. Dino Delis qui est toujours là tout. Nous disons un grand merci. Elino TV qui est toujours branché. Jean Robert la tour qui est toujours avec nous. Nous disons merci en pile. Il y a Exit et Crocodile qui est toujours branché nous tout. Nous disons merci pour soi intelligent. Regardez mes actes nouvelles, Blaise Info, à 4 nouvelles. Blaise Besson. Désiré la jeune dit en question conseil présidentiel carré comme non, li jusqu'à présent là n'a couru. Et là que me dit l'en courir c'est parce que et conseil ça ou pas qu'on est qui avenir là il pas comme monter même ou elle était déjà va gagner avenir yeah moun ki c'est moun capitale haïtienne non il a dit Blaise mais qui avenir Blaise qui premier avenir qui deuxième avenir qui troisième avenir qui quatrième avenir qui cinquième avenir bolos mais non pas parler de avenir ça yo vous comprenez m'a parler de avenir bolos pour moun qui trouve yo dans troisième circonscription de prince m'a parler de avenir par rapport avec et conseil présidentiel transition carré comme ça qui lui-même et après que Ariel Henry vienne pas entrer en pays empêché par Nek Armeo depuis le 29 février 2024 et Nek Armeo te dit clairement que yo prend toute disposition pour empêcher que Ariel Henry rentre en Haïti mais qu'on a nous regardé on dit que qu'on a nous mettre Nek Armeo de côté. C'est vrai, déterminé, c'est vrai, sermenté, c'est vrai, dit que, quel que soit Jean-Lieu, il n'y a pas de 39 pays, quel que soit Jean-Lieu, que Caricom doit venir installer un conseil dans tes pays, il n'y a pas d'accord que, des gens qui sont dans un hôtel, des gens qui sont dans des espaces que, viennent diriger pays, et ça, il dit par rapport avec voix pop voyo, qui c'est Jimmy Cherizier, dit barbecue. Ok? Jimmy Cherizier, dit barbecue. Mais qu'on y a ça, vous comprenez? On mettait les gars examen de côté. C'est vrai, je dis, c'est une grosse force. Ouais, yo c'est une grosse force illégale dans le pays. Ouais, m'y dit. Yo c'est une grosse force illégale dans le pays parce que si yo qui bloqué pays depuis le 29 février, yo te bloqué déjà oui. Yo te bloqué bien des temps oui. Mais vin augmenter niveau situation ça. Vin augmenter niveau violence ça. Li vin endurer depuis le 29 février. Qui se passait là? Ça veut dire, nous avons plus que un mois là, que situation très compliquée dans la capitale haïtienne. Et ceci dit, il y a des conséquences sous de villes province, parce que nous avons des directeurs généraux, l'hôpital et l'hôpital Justinien au Cap haïtien, docteur, marché, non docteur, non, mais c'est un médecin, il fait qu'on est que crise qui est aujourd'hui dans la capitale haïtienne. On dit, parce que situation qui a passé là dans la capitale haïtienne, il y a un impact sur eux-mêmes qui c'est de l'hôpital, qui c'est de ville-province en un pays. Et il explique les raisons, parce que il y a besoin d'étrangers, il y a besoin de médicaments, il y a besoin d'ensemble de bagages. Et en pile dans ça, il y a qu'on sorti malgré situation qui est sous dans la capitale pays. Mais quand même, il y a qu'on osé passer quand même. Il y a qu'on tenté passer quand même. Mais qu'on y a, il n'y a pas qu'à passer du tout. Parce que bateau pas entré, avion pas volé, machine pas voyager, même. Et pas de coup sémenté. Barbecue sémenté que pas aucun avion qui a rentré dans le pays. Hein? Pas aucun avion qui a volé rentré dans le pays. Hein? Pour me citer par le barbecue, Jimmy Cherizier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je dis là. Ça pour nous essayer de comprendre. Ça pour nous garder très bien. Ça pour nous dire nous que les amis internautes, c'est que en termes de réalité, je dis, hein? Là, je dis que le conseil de l'Ibéli ça va venir. Parce que imaginons que CARICOM voyait liste non moun sa yo ken konnen déjà yo qui fait partie conseil présidentiel la bay Andy premier ministre Ariel Henry. T'es bien li voye Ariel Henry pendant Ariel empêche le pas ka entre ya Ariel Henry voye lui Ariel Henry de concert avec Michel Bati Boisvert il était annoncé un conseil gouvernement nan soirée que te vendredi 29 mars nan. Et à travers le conseil gouvernement, ça, il dit que, il pral garder non moun sa yo, et en même temps tout, il pral garder sa gen comme feuille de route, comme donné, pour que, est-ce que y a de provisions légales pour yon nommer moun sa yo, pour voir non moun sa yo, dans le journal officiel PA, le moniteur.
Et pour sortir, on arrête, pour dire que arrêter ça, mais désormais, c'est ensemble de Mounsayo qui remplace le gouvernement que Ariel Henry a dirigé, et c'est Mounsayo qui va mener le pays. Hein. Mais, le conseil gouvernement qui était organisé dans le vendredi 29 mars, il n'a pas arrivé nommé membre conseil présidentiel. Et selon ensemble ministre, pour y a tenté justifier ça que raison qui fait que yo pas décidé de nommer ou dit moi ce que voyez dans moun sa yo dans journal officiel paysan le moniteur. Gouvernement dit que pas vraiment gen un document de cadre. Comprenez mieux? Ça dit pas un document de cadre qui dit que conseil ça mais qui ça pral fait? Mais comment elle prend le travail? Mais comment elle prend établir agenda? Mais ça agenda elle prend lié. Mais ça l'a fait. L'a exécuté point A, point B, point C, point D, point temps. Ça veut dire pas qu'il vraiment on dit un cadre légal qui vous dit que mais ça prend fait comme travail bon côté conseil gouvernement. Et à travers une correspondance à bon côté conseil présidentiel pardon. À travers une correspondance que qui a adressé par CARICOM, eh bien ensemble, membre gouvernement démissionné Ariel Henry, il demande pour acheminer et mettre vos documents à Bayo, alors que préalablement, il recevait pour avant de recevoir un ensemble de membres pour qu'ils soient membres du conseil présidentiel. Ça veut dire que pendant que c'est vrai qu'il y a un monde, mais il faut que je joue un document de cas qui va dire que, mais, ça lié. Et là, conseil et gouvernement, il n'a pas sorti avec un lien pour me dire que, sous décision membre conseil présidentiel ça peut prendre le pays qui donc je dis ce qui bon toi la lito qu'a fait là je dis il y a des intérêts qui en jeu il y a des intérêts économiques il y a des intérêts politiques et il y a de l'autre intérêt qui prend le fait là qui pose comme problème là je dis mais là essayer comprendre chaque grain moun sa yo. Chaque graine ça peut arriver là. Chaque graine ça peut poser là. Faut essayer comprendre yo, faut essayer éditer nous, faut essayer comprendre, faut essayer analyser pour nous dire est-ce que effectivement est-ce que exactement ça yo peut permettre que nous gagnons un conseil parce que pas oublier. Moi toujours dis conseil gouvernement ça, conseil gouvernement carré comme ça, il n'est pas légitime. Il n'est pas constitutionnel. C'est vrai, nous dans situation de crise. C'est vrai que nous dans situation chaos. Faut que nous solution. C'est dû une solution à l'haïtienne. Mais est-ce que c'est mettre campé conseil présidentiel carré comme transition ça? Est-ce que c'est lui-même qui prend solution et qui prend solution à l'haïtienne? Les que ou ensemble de voix, ou ensemble de secteurs déjà levé voix à décrier, à dénoncer conseil présidentiel ça. Comment comprendre que la grande majorité yo dit que yo pas nan question conseil présidentiel qui vient imposé par CARICOM nan, et malgré ça CARICOM les continue imposer. Je veux comprendre que qui intérêt caché derrière CARICOM nan question conseil ça. Même aux amis dim selon compréhension qui intérêt caché derrière CARICOM je que la chercher pour imposer peuple haïtien conseil présidentiel lien. Alors ce que nous trouvons que c'est pas un conseil présidentiel qui a venir comme bagarre pays, c'est plutôt un conseil présidentiel qui a venir les affaires intérêt groupe yo, intérêt clanique yo, intérêt politique yo, intérêt économique yo. Ou devez dire comme ça, oh, je vais le signer un fond qui va permettre que je vais accompagner moun ki victime dans zone côté les gars me prend yo. Qui va mettre fond ça camper là. Il va faire démagogie. Après 2-3 temps, on que l'État décaisse tant de l'argent. Et puis, comme l'a fait fond 2-3 grains de monde, je nous 2-3 000 piastres. Et puis après ça, tout reste comme aller dans le monde. Aller dans le poche. Et pas oublier, chaque grain de monde, ça y est, il va jouer ensemble des privilèges de l'État. Il va avoir des machines officielles dans le monde. Il va avoir plus de sécurité dans le monde. Il va avoir ensemble des privilèges pour dire tout ensemble ça. Fiche, gaz, baguette, tout bagage ça y est. Est-ce que le pays a guéri pour continuer à dépenser ensemble l'argent dans des équipes de monde qui sait eux même encore mettre crise là?
Est-ce que Payan a assez de moyens pour que Libral paye un ensemble de monde? Parce que c'est même Mounisayo qui mette crise qui l'a encore. C'est même acteur ça mette crise dans la, oui. C'est même lui-même. En tout cas, je dis, hein, Peba Issé, hein, essayez de comprendre ça qui est là. Nous prenons une situation et nous essayons de comprendre que nous essayons de regarder, je dis, hein, aïe, on prend destin nous en main. Bah, toujours dit, bah, j'aime ou qu'est-il. Désirez-les, on va avancer, mon frère. Blaise Peterson, même, on pense que l'immérité qu'on essaie de garder en profondeur, question CARICOM, ou bien communauté CARICOM, organisation CARICOM, qui rend comme des médiateurs, comme centre qui est capable de résoudre le problème qui est là en Haïti. Mais il faut que nous songeons. Côté que l'homme s'en joue, comme dit J4 Samarozo, monsieur font une vidéo là, il a décidé de libérer YouTube américain avec l'autre ami qui avait là. Ils font une vidéo là, et monsieur au bon côté, m'a regardé dans cette vidéo là. Monsieur, tout bon, je l'ai dit, monsieur au bon côté, il a mis temps, et puis semblait que ils font une vidéo avant pour le café n'est parler, après ça pour le cas libérer. Et selon ça que m'apprends mes vidéos en bas, j'aime là. Bon, en tout cas, si c'est ça, effectivement, tu as pris une décision pour libérer YouTube américain, ça y a un grand YouTuber américain gagné, et qui était en Haïti, je ne dis qui était venu réaliser des reportages avec sous situation insécurité nek armé dans le pays. Mais c'est ça, on a regardé la sujet là dans cette vidéo. Côté que, la Monsanjou, qui t'a pris de décision pour t'a libérer ensemble, monsieur Sayo, YouTuber américain avec un citoyen haïtien, c'est ça qui t'a accompagné, qui était pour réaliser un reportage avec de nek armé, c'est une situation insécurité dans le pays. En tout cas, et bah, c'est que dans notre émission, on a vu avec plus d'État, même pas de vouloir perdre ça comme information, si c'est ça qui ça cap dit qu'il t'a pris la décision pour libérer. Mais pas seulement monsieur Mounsayo, mais Jean Kenda tout souhaité que, mais tout le monde qui n'a mené armé Sayo, pour libéré parce que et moun ki nan meyo gen moun ki pi mal passé yo ki pa gen rien comme ressource ki pa gen rien comme réserve là nan meyo et fami yo déjà souffri ben c'est que les gars capable faire conscience à yo même tout pour être capable libérer tout moun ki nan meyo soit monsieur 400 Marozo tout armé qui gen de moun qui gen de moun ki et kidnappé nan meyo nan moment. OK, ça c'est ça me devait passer comme message des Ivenes parce que l'idée important pour nous faire passer message non puisque n'a regardé vidéo mais c'est ça m'a et ça m'apprend que après cette vidéo ça libre libérer monsieur yo en tout cas. Regardez, il veut changer d'idée, oui, mais c'est ça qu'il a voulu faire comprendre. Deuxième avancé. Mais il faut que nous mentionnions tout, ce n'est pas une libération et ça ou pas de l'argent. Non, contre-rançon, ben l'argent, yeah. Très bien. CARICOM souligné dans l'aide qu'elle t'a voyé, by Ariel Henry, il m'a dit Ariel Henry pour prendre responsabilité pour compléter formalité procédure qui est nécessaire pour faciliter l'établissement immédiat conseil de transition présidentielle qui est capable de mener nomination du premier ministre sous pouvoir à Blaise Peterson. Ça, tout dit nous, conseil gouvernement qui a essayé de faire dans la soirée vendredi, qui n'a pas trouvé fait tant que j'ai été prévu là et Blaise Peterson, eh bien, c'est ta procédure ou bien c'est ta position Ariel Henry pour te mettre les barèmes pour permettre que le conseil ici vienne arriver installé. Ça, c'est une première étape importante à IJAN qui a permis à conseil transition présidentielle là et commencer à fonctionner et puis lancer déploiement accéléré, mission support sécurité multinationale qui autorisé par résolution conseil sécurité et 2699-2023 Nations Unies. Cependant, CARICOM a annoncé qu'il pral retourner joindre Dr. Ariel Henry yon fwa. Et notre premier ministre provisoire, Léo Rivé, choisit pour venir remplacer Ariel Henry. Ouais, ensemble des massages, même si toutefois, ouais, toutes des massages, après c'est fait, c'est pour faire temps passer, pour faire monde dormir. Nous approchons vers le quatrième mois de l'année Blaise Peterson. Nous garantissons, dans l'ensemble des temps, dans l'ensemble des procédures qu'a fait, soit conseil et gouvernement organisé, dit pas un texte de loi qui rapprocher de ça qui a fait là, libre à faire discussion sur lui jusqu'à ce que yon jouen, yon terrain d'entente, yon négociation qui a permis au moins, si yon t'arrive, installer conseil là tout bon vrai, Blaise Peterson, libre à le prendre, yon paquet de temps pour yon arriver, faire nomination, premier ministre qui a parlé. Yon pas appelé bon matin. Soyez c'est des consensus qu'il a fait. Yon dit, faut que yon aller directement, jouen chaque secteur, chaque parti, chaque secteur qui te voyé. Moun nan conseil présidentiel transition qui a voyé au monde
y a Fontri, y a Kembe 3. Est-ce que c'est 3 qui est premier ministre? Son conseil premier ministre a fait? Son conseil premier ministre a voué dans primatia? Ou bien son seul monde qui est premier ministre? Eh bien non, on a tout dirigeant conseil net, conseil présidentiel, conseil ministre. On comprend, on a tout dirigeant conseil net, conseil directeur général, conseil secrétaire d'État, on comprend, conseil, on a fait bagarre dans le conseil net, le plus simple, et conseil électoral, tout bagarre ça, on a tout mettre en mode conseil. La plus simple, on comprend, mode conseil. Très bien. Quand y a si on a considéré, quantité, bad bouche, parlant pile, pour y arriver, fait élection président dans le conseil là qui paraît très difficile, jusqu'à présent qui pour café. Et puis, kounye, pour y parler, dit même moun sa yo, yo pral choisi moun ki pou vin premier ministre. Et son conseil premier ministre, parce que yo parle de 3. Si que 7 entités ou bien 9 entités, yo dit ap kembe 3 la dan. 3 la dan pou fè ki sa? Ki bo 3 sa yo pralé? Est-ce que tous les 3 pral chita dans primature? Je dis un problème Haïti a li grave. En pile, pour au moins, ta ka permettre que le conseil ça lui installe. Décret pour nommer conseil présidentiel là, ta doué publié, yon titan, conseil ministre yon espéré finaliser dossier ya dans quelques temps qui t'a venu. C'est ça qui a été déclaré pendant la journée hier, ayé qui était 29 mars 2024 là. D'après sous ce qui n'a consistant, décret pour nommer conseil présidentiel là, t'a doué publié dans quelques temps, tant qu'ou hier. Gouvernement, t'es entendu yon te réuni vendredi 5. Il va pas aller manger poisson eux-mêmes, il doit continuer le travail, il a pas accéléré, il a permettre qu'on fait transition et mascarade qu'on décide de faire pour te discuter tout simplement sur question qui Jean conseil présidentiel là la bien installé. Est-ce que les gain article de la constitution qui proche de pendant on connaît ça qu'a fait tali pas constitutionnel. Mais il a râlé Blaise-Peterson. Il a râlé des arguments pour dou et soit moun ça le disqualifier parce que l'âge li pas refléter avec ça que constitution dit parler. OK, tant que madame et que nous songeons madame Dupuis qui pratiquement quitte par ça, c'est parce que yo dit qu'elle pas gain l'âge pour river prendre cet engagement, c'est pendant de représenter Haïti dans l'UNESCO. Et on paquet monde a baissé donc regardez, dit est-ce que c'est pas parce que compétence madame là, il dépasse tout nèg yo, dans niveau que nèg yo volo, madame n'a pas volo dans niveau ça, yo retirer madame dans la dedans. Parce que dans ça qu'a planifié, yo mettez en Haïti. Yo kembe tout a fait ou nan men yo, et puis y a fait ou lem de bon. Si ge de moun, si ge opposant vre Blaise-Peterson, comme gon conseil, yo di ge moun ki opposé ak li. Opposant yo, jusqu'à présent yo fait blackout. On ta di pi gros opposant avec conseil présidentiel lan, li c'est tout simplement nek aksam yo. Si n'ta di niveau efficacité, bataille à l'encontre du gouvernement Ariel Henry après Blaise-Peterson, c'est nek aksam yo. Parce que c'est ou mette Ariel Henry yo. Vous jusqu'à présent, Ariel n'est pas 40 ans.